Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va poser un époxy antibactérien parce que c'est une salle où il ne faut pas qu'il y ait des bactéries. C'est un genre d'époxy épais. Là, je vais vous montrer. On va commencer avec quoi? On commence avec un primer. On prime ça comme si on prime. C'est comme de la peinture. Puis après ça, on met une couche de finition en 3-4 couches minimum. C'est ça. C'est un époxy épais. Ratio 2 pour 3, 2A pour 3B. Ici, c'est le contraire. On mixe ça avec une mixette normale. Ouais. Ça prend des chaudières, des gants, un rouleau avec une nappe épaisse. 20 mm et plus, c'est épais, épais. Puis après ça, ça prend aussi un solvant pour le nettoyage. C'est ça. Puis, whiz aussi pour faire le découpage. Whiz. Bon pinceau pour l'époxy. Puis là, on va passer en mix, puis on va passer à l'application après. Bien sûr, on mesure avec une face, il ne reste pas beaucoup, je vais mettre 1 litre de A et 1 litre de B de 5 litres de 3. C'est ça, on met le produit dans une panne, puis on commence à l'étaler comme si on étale de la peinture.
Ça, c'est comme de la peinture, il faut l'étaler, mais il faut appuyer fort sur ton rouleau parce que c'est épais, épais, puis il faut rentrer ça dans les traits de la brique, les joints de la brique. C'est ça, en quatre couches, et ça va faire l'affaire.